À Salis de Béarn, rien ne sert de courir pour faire la meilleure piperade. Pour le concours, c'est 3 heures de préparation. Il y a les ingrédients indispensables, tomates, oignons, piments. Chez les championnes en titre, les Ginettes de Barretous, on décortique tout minutieusement. Enlever les pépins du piment pour pas que ce soit amer. Moi, j'ai plus la tomate, parce que si vous gardez la peau, c'est... À chaque âge, une recette. Ces jeunes Béarnais rajoutent du jambon de Bayonne. Ça permet de mettre un peu de sel dans la préparation et ça fait un petit goût différent. Voilà, c'est la petite surprise du chef. Ils se permettent même une petite touche sucrée. Une laisse de sapin, et on va faire revenir avec les oignons pour les faire un petit peu confit, caramélisé. Niveau cuisson, c'est d'abord les oignons et les piments, puis on rajoute les tomates. On va faire cuire à petit feu quand même, et assez longtemps. Hors concours, cette piperade géante a mijoté plus de 5 heures. Mylène Afonso, surnommée Mimitou, la confectionne depuis 2 ans pour le public salisien. C'est la recette traditionnelle ici avec des morceaux de porc. Le gras va en fait fondre et c'est justement ça qui va donner cette petite couleur un petit peu là, noire comme vous voyez. Et c'est ça qui va donner tout le suc. Donc à force de mélanger en fait, ça se dilue bien partout et c'est meilleur. Cette année, ils sont 450 à être venus la déguster. Elle est très bonne. Elle est très bonne. Ouais, elle est comme ici, toujours. Bien relevée. Un peu épicée. C'est basque, mais à Béarn, on l'a fait mieux. Du piment d'Espelette. Du sel de Salis de Béarn, 2 autres indispensables de la piperade. Béarnais et Basques réunis pour une recette 100% Pyrénées-Atlantiques.